Bonsoir Facebook. Hello tout le monde. Dites-moi quand vous êtes en ligne. Dites-moi quand vous êtes là. Je vais attendre un instant que vous vous connectez, que vous me fassiez un petit coucou. Vérifiez que tout est OK. Waouh, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée encore avec ce temps qui est juste extraordinaire. Coucou tout le monde. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Moi, ma journée, elle a été mais juste waouh, juste extraordinaire. De vivre des journées comme ça aussi intenses, c'est juste incroyable en fait, la vie que je vis parce que je l'adore. Cette vie que je me suis créée, ça me met tellement en joie. Hello tout le monde, faites-moi un petit coucou si vous êtes là, si, c'est toujours un plaisir de vous voir. Vraiment ce que j'ai vécu dans ma journée aujourd'hui, je crois que c'est encore, ça fait que évoluer en fait en intensité, c'est tellement chouette. Parce que vraiment, je mets vraiment de l'intention dans ce que je vis, je mets vraiment du désir, de la joie, vraiment, je crée ces moments juste incroyable. En fait, je me crée des souvenirs juste incroyables. J'ai eu aujourd'hui, j'avais mes deux clientes aujourd'hui, on est mercredi, mes deux clientes aujourd'hui. Mais c'est juste incroyable aussi ce qui se passe pour elles, elles sont en train de créer la vie qui leur correspond. Elles sont vraiment en train de se choisir et pour ça, elles sont en train de mettre les choses en place et il y a plein de changements. Le fait qu'elles-mêmes, elles travaillent sur elles et qu'elles ont compris certaines choses qui fait que ça débloque d'autres choses et que ça débloque dans leur environnement, que ça soit dans leur couple, que ça soit dans leur business, que ça soit dans leur vie de famille. Coucou Mohamed, coucou Tine, coucou Jaouer. Voilà, c'est juste, moi ça me nourrit, ça nourrit mon pourquoi, ça nourrit ma mission, je suis tellement fière d'elle. Vraiment, j'aime énormément mes clientes. Elles sont extraordinaires. En plus, aujourd'hui, j'ai eu deux appels découvertes qui ont été juste waouh, mais juste aussi des femmes extraordinaires qui décident de se choisir. Mais en même temps, le moment de passer le cap, c'est toujours quelque chose qui remue en fait. Quelque chose que c'est vraiment une décision pour transformer sa vie. Oser changer quelque chose, oser vraiment créer créer la vie qu'on désire clairement, c'est un changement, c'est une transformation que je ne vais pas vous cacher qui demande énormément de courage, d'audace et d'envie, de désir vraiment profond. Parce que oui, le chemin est extraordinaire, mais comme dans tout changement et puis comme dans une vie classique, il y a des hauts et il y a des bas et ça remue. Mais c'est pour tellement plus grand. Moi, quand je vois aujourd'hui ma vie, la journée que j'ai passée aujourd'hui, j'ai eu mes deux coachings, j'ai eu deux appels découvertes et entre-temps, je me suis fait un repas juste extraordinaire. J'ai vraiment savouré mon repas. Je suis allée faire un soin pour moi. J'ai fait une coupe énergétique. Alors, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous connaît, mais c'est juste trop bien. Si je vous invite vraiment à découvrir ça, le cheveu, il se met vraiment dans son état naturel. Il devient plus souple, plus doux et plus résistant en fait. Et c'est un massage, c'est vraiment un soin. Donc, j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris le temps aussi d'aller profiter de ce soleil qui est juste merveilleux. Donc, je suis un peu rouge. Mais ça fait énormément du bien et ça c'est la vie que je me suis créée. Et quand j'étais quand je marchais dans ce beau parc, je me suis dit mais c'est merveilleux, quelle chance j'ai, mais la chance pour moi c'est moi qui me suis permis cette chance, c'est moi qui me suis donné cette chance de vivre cette vie là aujourd'hui, parce que même quand je prends soin de moi, mon entreprise continue à travailler. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que je me suis fait. Ça m'a demandé beaucoup de courage, beaucoup de... vraiment de sortir de zone de confort. Parce qu'au début, c'est ça en fait, c'est de sortir de sa zone connue. Et notre cerveau a tendance, lui, à nous ramener dans le connu et de nous garder dans ce qu'il connaît. Parce que c'est plutôt sécurisant, c'est plutôt... une zone de connu en fait, et du coup il veut plus, lui notre cerveau il a pour but de nous éviter de vivre la douleur et de nous laisser dans le plaisir en fait.
Donc tout ça pour vous dire que c'est possible de créer sa vie parce que moi-même je le fais et j'ai créé ma liberté. Je vis de mon entreprise, je suis vraiment indépendante. Aujourd'hui, malgré le, à part le Covid où moi j'aime voyager et là je suis dans l'obligation de rester ici, mais même si ça c'est là, j'en fais pas une histoire personnelle parce que je n'ai pas le contrôle dessus. Par contre, je peux me créer moi-même la vie qui me fait kiffer au jour le jour en fait. Chaque heure, chaque minute. Là, le moment que je suis en train de passer avec vous, mais j'adore ça. J'adore être là. J'adore avoir vos échanges. J'adore découvrir vos commentaires après quand vous regardez ma vidéo en replay. J'adore aussi échanger avec vous. J'adore aussi de recevoir des messages en me disant oh, « Marion, hier, ce que tu as dit dans ta vidéo, dans ton live, ça m'a permis de faire ça, de prendre conscience de ça. » Pour moi, je contribue tous les jours à ma mission. En fait, cet engagement que j'ai fait envers moi et envers vous pour ces lives de 365 jours, en fait, je prends du plaisir. Je pensais que ça allait être difficile. J'imagine qu'il y a des moments, ça va être plus difficile parce que je reste une humaine et il y a des jours, je suis plus fatiguée, il y a des émotions qui bougent parce que j'évolue constamment et là, je suis dans une phase de complètement d'évolution. Éveil ta conscience est en train de grandir et en train de se développer et moi-même, je suis en train de me développer en même temps et franchement, ça remue, mais c'est le cadeau après, c'est tellement plus beau en fait ce que je suis en train de créer. Et c'est parce que je choisis et c'est juste incroyable et je suis super bien entourée et ça c'est super important aussi. Donc vraiment le jour où j'ai décidé de me choisir, d'investir sur moi parce que investir sur soi c'est quelque chose qui n'est pas une habitude chez nous. On n'a pas l'habitude de faire ça, surtout en France. Pourquoi ? Parce qu'on ne nous a pas appris ça, c'est pas une évidence en fait et... Et pourquoi on investirait sur nous ? C'est toujours sur l'extérieur, sur le vêtement, sur la coupe de cheveux, sur le paraître, mais pas à l'intérieur de nous, le travail. Et c'est ça, en fait, c'est ça la clé, en fait. C'est pas, pour moi, c'est ce que j'ai compris. C'est pas ce que je vais faire à l'extérieur qui va compter, c'est vraiment comment moi, je vais me sentir à l'intérieur, comment moi, je vais être. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Et c'est ça qui a fait que j'ai trouvé du sens, j'ai trouvé mon pourquoi j'ai envie de me lever le matin, le sens profond. J'ai découvert ma vraie identité, qui je suis vraiment moi, plus par rapport à l'extérieur, plus par rapport aux autres, plus par rapport à mon passé. C'est qui aujourd'hui je suis moi, là je suis moi avec vous. Et c'est ok et je l'accepte. Et il y a des moments, je peux être plus vulnérable, il y a des moments, je peux être plus en joie, il y a des moments, je peux être plus down. Et ça ne veut pas dire que des fois aussi on est en basse énergie, qu'on est, on n'est pas bien, parce que la sérénité et la plénitude, c'est des énergies très douces. Et vraiment, voilà, moi j'ai énormément de gratitude de me lever chaque matin avec ce sentiment de gratitude et de me dire, de me lever aussi sans réveil. Ça, c'était quelque chose que c'était juste insupportable pour moi. Ça me mettait tout le temps des palpitants au cœur de me réveiller avec un réveil. Aujourd'hui, la vie que j'ai, je me réveille sans réveil et je me suis jamais levée aussitôt. C'est juste incroyable. Pour ceux qui me connaissaient d'avant, moi, j'étais plutôt une lève-tard, 10, 11 heures, midi, voire. Aujourd'hui, je me lève entre 7h, 7h30. Et c'est du jamais vu pour moi, mais parce qu'il y a un sens, il y a vraiment cette passion-là de me lever le matin, de savoir que je vais retrouver mes clientes, de savoir que je vais avoir des appels découvertes, de savoir que je vais retrouver mes clientes aussi dans les programmes, retrouver aussi mes partenaires de Quintessence et co-créer avec elles. C'est ça qui m'anime, et de pouvoir prendre soin de moi tout le temps quand je veux, de faire ce que je veux à chaque instant de ma vie, chaque minute, chaque heure. C'est ça la liberté. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer en fait. Et vraiment, de redonner du sens dans ma vie, ça a vraiment révolutionné ma vie, clairement. Ça a révolutionné mon monde. Ça a révolutionné plein de choses dans ma vie, mais que dans le sens positif, vraiment. Le fait d'être moi-même chaque jour davantage, c'est incroyable. Coucou ma Joya.
Coucou Tania. Voilà, c'était vraiment le message aujourd'hui que j'avais envie de vous partager, que se choisir, c'est possible. Apprendre à se connaître, c'est possible. Devenir qui on est, c'est possible. Et c'est ça qu'avec Éveille ta conscience, on t'accompagne à vraiment t'aider sur ce chemin-là, à te retrouver avec toi-même et à développer ton business, parce que c'est énormément d'entrepreneuses qui viennent avec moi en ce moment travailler. Donc c'est là que je vois aussi que que Éveille ta conscience est passé à un autre niveau. C'est que c'est à mon tour de moi-même d'accompagner les nouvelles entrepreneuses qui se lancent, qui ont envie de se lancer et qui se sentent comme moi j'étais il y a un an et demi de ça, en fait, de me dire j'y vais pas. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que, en fait, toutes ces tas de questions qu'on va se poser, est-ce que les gens vont s'intéresser à moi? Est-ce que je vais être assez à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir échanger, communiquer ou créer vraiment la chose qui me fait? Parce qu'il y a plein de monde sur les réseaux. Oui, c'est possible. Parce que vous êtes tous uniques. Moi, je suis moi et vous, vous êtes vous. Il n'y a pas deux personnes comme vous. Et c'est ça qui fait votre unicité. Et c'est ça qui va faire votre différence, en fait. Donc, oui, vous pouvez. Il y a des tas de boulangers. Il y a des tas de pharmacies. Il y a des tas d'électriciens. Et oui, si on prend tel électricien, par exemple, ou on va dans telle boulangerie, c'est parce qu'on choisit la qualité du service, mais avant tout... On va aller, par exemple, s'il y a deux boulangeries, si la serveuse est plus sympa et plus magnétique, en fait, cette énergie magnétique, si on est attiré plus vers la vendeuse de la boulangerie A, on va moins aller vers la boulangerie B si déjà elle ne nous attire pas du tout. Même si elle propose les mêmes services, même si elle propose les mêmes produits, c'est ça qui fait la différence. Voilà. C'était le partage de ce soir. Quelle douceur et beauté. Ah, ma joya! Merci de m'avoir suivi. Merci, j'espère que vous allez prendre conscience que vous êtes unique et que vous êtes tellement plus que vous ce que vous pensez et que vous êtes capable de faire plein de choses. Moi, je crois à 30 milliards de pourcentage en vous, en l'être humain, et je vois tellement autour de moi que c'est possible. Des personnes qui viennent de très loin et qui ont complètement basculé de l'autre côté dans leur vie et qui sont juste épanouies de ce qu'elles vivent aujourd'hui, et c'est possible. Oui, exactement, Tine, c'est le feeling, c'est on va vers telle personne parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est le feeling en fait, peu importe. Et même à distance, le feeling, il se crée en fait. Là, même quand vous me voyez à travers l'écran, il y a le feeling qui se fait ou pas. Et c'est ok, vous êtes en droit de dire oui avec Marion, non avec Marion, c'est ok. Il y a tellement de personnes, il y en a pour tout le monde. Voilà, et vraiment mettre du plaisir et du désir dans sa vie, c'est ça qui fait la différence. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée et on se retrouve demain pour un autre live.